Comptons ensemble les parmi-nous et les voilà partis donc pour eh bien, la dernière épreuve de cette journée, comptant pour la Destrier Junior Cup, une course sur les sur la distance de 2200 mètres. Et on s'est tout de suite très bien élancé au centre du peloton avec Coes Razaldazel qui a pris l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Swar Perl qui est là, juste devant Irene Fist, Abita, Cohen, Steimler, et les fixes des Vallons. Alors qu'on a fait une grosse route avec Jamaïcaine des Vallons qui est là et sa partenaire Brune Rossignol qui a réussi à remettre ses étriers à l'instant. Les concurrents qui vont maintenant aborder le tournant et toujours la même impulsion en tête Coswar Perl qui a pris le relais maintenant de Coes Razaldazel qui vient en seconde position. On est troisième avec Irene Fist Abita qui est là. On est en quatrième position avec Cohen Steimler devant Elefix des Vallons et Jamaïcaine des Vallons qui 3-4 bonnes longueurs plus loin ferme la marche de ce peloton. Les concurrents à bord de la ligne opposée dans quelques instants. Coswar Perl qui l'attend personne, Kazak Lesguer et qui a toujours l'avantage. Pour aborder le début de la ligne opposée avec Solina Yerfouchard, avec Cohen Razaldazel qui vient en seconde position, Irene Fist Abita et troisième Cohen Steimler et quatrième dans le dos des premiers, le même qui les fixe les Vallons et toujours Jamaïcaine des Vallons qui un petit peu plus loin ferme la marche à l'arrière-garde. En patientant, les concurrents ont franchi une nouvelle haie à l'instant et pas de changement notable en tête avec toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Coswar Perl qui a toujours librement l'avantage avec Cohen Razaldazel qui vient en seconde position. On saute une nouvelle haie, on est troisième avec Irene Fils Tabita, on est en quatrième position avec Cohen Steimler, on est un petit peu plus loin avec Idéfix des Vallons en cinquième position et encore plus loin, on ferme la marche avec le numéro 6 Jamaïcaine des Vallons, Kazak de François Nicole. Les concurrents abordent maintenant le bout de la ligne opposée dans quelques instants. Un peloton en file indienne qui accélère l'allure maintenant avec toujours Coswar Perl qui a l'avantage avec en seconde position, bien qu'elle est dans son dos depuis le départ, Cohen Razaldazel, alors qu'on est en troisième position avec maintenant Cohen Steimler qui progresse à l'extérieur vivement. Irene Fist Abita est quatrième, Idéfix des Vallons et Jamaïcaine des Vallons sont à distance actuellement. Les concurrents sont dans le dernier tournant. Il va leur rester deux obstacles à franchir avec toujours Coswar Perl qui a l'avantage. Cohen Razaldazel qui va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur. Cohen Steimler termine bien également en pleine piste devant Irene Fist Abita à distance. Il est fixe des Vallons et Jamaïcaine des Vallons. Il reste deux à franchir. Et ils sont encore bien groupés. Quatre en lice pour la victoire avec Cohen Razaldazel entre les derniers obstacles qui a pris la mesure de Coswar Perl tentant de se relancer côté corde. Cohen Steimler vient à l'extérieur. Irene Fist Abita il a également franchi la dernière haie. Ils sont sur le plat avec Coswar Perl côté corde avec Cohen Razaldazel à l'extérieur. Les concurrents sont aux avant du poteau. Ce sera très serré entre deux concurrents avec Cohen Razaldazel à l'extérieur et Coswar Perl côté corde. Timelord sera troisième juste devant Irene Fist Abita. Il est fixe des Vallons.